Nicolas Sarkozy, en tant qu'ancien président, est-ce que vous ne commettez pas une erreur en allant à rebours de la position d'Emmanuel Macron, de l'État français et de l'Europe ? Non. Alors, c'est un sujet très lourd dont il faut parler sérieusement. Mmh. Bon. Figurez-vous qu'il y a 500 000 de morts aux confins de l'Europe. 500 000, dont la plupart, dont beaucoup, sont ukrainiens. Mais on continue, parce que sur le front du boulevard Saint-Germain, on est très courageux pour envoyer des jeunes Ukrainiens mourir. Hein ? 500 000. Deuxièmement, sur Poutine, il y a beaucoup de gens qui parlent de lui, qui ne l'ont jamais rencontré. J'ai eu, je crois, peut-être 80 conversations avec lui, dont certaines extrêmement dures, puisque c'est moi et personne d'autre qui a été à Moscou pour le faire sortir de Géorgie alors qu'il avait envahi la Géorgie. Dont il n'est pas sorti. Excusez-moi. Encore aujourd'hui, non, l'Abkhazie et l'Ossétie sont toujours... Non, excusez-moi, la Géorgie est un pays libre. Si vous voulez rentrer dans le détail, je vous rappelle que l'Abkhazie, c'est la patrie de naissance de Staline et c'est l'endroit où tous les hiérarques du Parti communiste allaient passer ses vacances. C'est une région complexe. La Géorgie, non, la Géorgie est libre. Alors, il y a le problème de l'Ossétie et de l'Abkhazie, l'Ossétie du Nord et l'Ossétie du Sud, mais c'est un autre sujet. Si vous voulez un jour, vous m'invitez, on en parlera. Mais c'est moi qui m'y suis opposé. Et en 8 jours, les chars russes, qui étaient à 25 km de Tbilissi, sont sortis. Sont sortis à 95% du territoire, pas à 100%, je vous en donne acte, mais sont sortis. Bon. Et à l'époque, tout le monde était bien content que j'ai pris le risque d'aller à Moscou, et les 8 heures de discussion avec Poutine ont été extrêmement dures. Troisième remarque. Dans cette affaire, il y a un agresseur et un agressé. L'agressé, c'est l'Ukraine. L'agresseur, c'est Poutine. C'est vrai. Mais comment on peut faire Attends, l'agresseur pour continuer de se battre si on proposait de mettre si on, fin à la livraison d'armes. Mais non, si on y va par slogan, vous continuez alors le débat, on fait la guerre sans la faire, des bêtises comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait même pas quel est le but de guerre. Donc, il y a un agresseur et un agressé, Poutine est l'agresseur, l'Ukraine est l'agressé, et il faut aider l'Ukraine. Là, je pose des questions. Pas besoin de me faire insulter pour poser des questions. Mmh. Bon, il est gentil, monsieur Jospin, de sortir de sa retraite, donner des leçons. S'il y connaissait quelque chose, ça se saurait. En l'occurrence, je pose la question, est-ce que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN favorise la paix ou pas? C'est une question noble, c'est pas une question stupide. Ma réponse, c'est non. Mais c'est pas une surprise, puisqu'en 2008, avec Angela Merkel, on s'y est opposé. Pourquoi on s'y est opposé? Parce que quand vous agitez la muleta sous le museau du taureau, faut pas s'étonner qu'il fonce. Donc je suis pour qu'on donne des garanties de sécurité à l'Ukraine, pays qui doit rester neutre, parce que l'Ukraine est un pont entre le monde slave, la Russie, et nous. Mais quelle Ukraine? Deuxièmement, quel territoire ukrainien? Attendez, je vais y venir. Ouais. Ça me fait... Deuxièmement, est-ce qu'il faut faire rentrer l'Ukraine dans l'Europe? Ça me rappelle l'affaire de la Turquie. C'était magnifique, de Hollande à Chirac, ils étaient tous d'accord pour faire rentrer la Turquie dans l'Europe. Est-ce que ça fait progresser la paix? Non. Parce que si vous faites rentrer l'Ukraine dans l'Europe, vous renforcez l'Europe américaine, puisque les pays de l'Europe de l'Est sont sous domination américaine. Je suis pour une Europe indépendante. Et nous n'avons pas les mêmes intérêts en la matière que les Américains. Posez ces questions-là. C'est quand même pas un scandale. Est-ce qu'on pourrait les poser au peuple ukrainien? Mais qu'est-ce que vous faites de la volonté des peuples dans cette histoire-là? Alors, volonté qui a sans doute évolué avec l'agression du voisin russe. Il n'est pas question de trouver un accord sans que les Ukrainiens disent ce qu'ils veulent. En l'occurrence, d'ailleurs, les Ukrainiens, c'est les Américains. Parce que vous retirez le soutien américain et vous n'avez malheureusement plus la force nécessaire pour défendre l'Ukraine. Les Ukrainiens. Donc, oui. Mais pour gagner une guerre, l'issue d'une guerre, c'est simple. Soit vous exterminez l'adversaire, soit vous faites un compromis. Il n'y a pas de troisième solution. C'est assez simple. Un compromis territorial, donc. Attendez, un compromis. Exterminer la Russie. Deuxième puissance. Pas l'exterminer, la repousser hors des frontières ukrainiennes. Non, c'est pas comme ça que ça se passera. Parce que pour eux, la Crimée, c'est russe, on peut en discuter jusqu'à plus soif. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est la deuxième puissance nucléaire du monde. Si vous voulez qu'on danse au bout d'un volcan et qu'on déclenche une guerre nucléaire, tout simplement pour avoir une bonne image et dire on est généreux, on est courageux, sans naturellement courageux au café du Flore, pas courageux d'aller au combat. Donc, soit il y a un nantissement, soit il y a un compromis. Le compromis, quel peut-il être? Excusez-moi, le premier à avoir parlé du compromis, c'est le président ukrainien. Au début du conflit,
qui lui-même a dit, ben non, faisons un référendum. Bon, l'affaire de l'OTAN, qui s'est opposé à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN à la dernière réunion? C'est qui? C'est M. Biden. Je suis quand même pas le seul à penser ça. Pour que les choses soient claires, Nicolas Sarkozy. C'est des questions essentielles. Est-ce qu'il faut que la France cesse de livrer des armes à l'Ukraine? Non. Je pense que la France doit être aux côtés de l'Ukraine, mais que la France a une voix singulière. La France n'a pas à s'aligner sur les intérêts américains. Et permettez-moi de vous dire, pour conclure, il y a deux vainqueurs dans ce conflit. Il y a les Chinois, hein, qui voient tous les briques se ranger derrière eux. Et il y a les Américains, qui vendent leurs armes. Donc, prix d'énergie, quand le prix d'énergie augmente, c'est le prix du gaz de schiste chez eux qui devient rentable. Et sur les céréales, c'est eux qui les vendent au monde entier. Donc, l'intuition première du président Macron de maintenir le dialogue était la bonne. Mais après, juste un mot, on peut ne pas être d'accord avec moi. D'autres sujets à vous soumettre. Mais je sais bien, c'est gentil, mais je peux revenir demain si vous voulez m'inviter. Mais c'est des sujets sérieux. On doit les traiter à fond. On doit avoir ce débat. On ne peut pas continuer à faire la guerre en disant simplement plus d'armes, plus de morts, plus d'opposition. On en sort comment? Comment on en sort? C'est la question que j'ai posée. Je ne regrette pas de l'avoir posée. Monsieur Larcher n'est pas d'accord. Très bien, mais il a le droit. Je ne prétends pas dire la vérité. J'affirme que c'est un débat sérieux qui devrait être mené au bout. Et que défendre l'Ukraine et son indépendance et son intégrité territoriale, c'est proposer une solution qui ne soit pas plus de morts et l'extermination d'un des deux belligérants.